Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, asher bachach banu mikol hamim, venatah lanu et Torato. Baruch atah Adonai Béni es-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a choisis parmi les peuples et nous a donné sa Torah. Béni es-tu, Éternel, qui nous donne sa Torah. Shabbat Shalom. Il est bon de remercier l'Éternel de tout ce qu'il nous donne. Il est bon de remercier le Dieu Très-Haut pour ce temps de Shabbat et ce temps d'étude de Torah. Éternel, que de ma bouche ne sorte rien de mauvais ni d'hérétique, mais que tout ce qui sort de ma bouche soit en accord avec ta Torah. Fais, Éternel, que je ne déforme pas ta Torah, que je ne déforme pas ton message, mais que cela soit un souffle, si possible, Éternel, un souffle qui révèle ton nom. Bienvenue. Que l'Éternel vous bénisse en ce temps de Shabbat, Shabbat Vaera. Nous allons tout de suite introduire dans le vif du sujet, dans l'histoire. Cette histoire de la servitude, de la maison d'esclaves dans laquelle le peuple d'Israël est. Et cette histoire que nous connaissons tous et qui fait partie de l'identité d'Israël, la délivrance du peuple d'Israël, la chute de l'Égypte et la sortie du peuple de la servitude de l'Égypte. Mais tout ne s'est pas fait de manière rapide, tout ne s'est pas fait en un claquement de doigts. La première étape du récit, c'est bien sûr la venue des 12 fils de Yaakov, on va dire les 12 fils, des 11 fils de Yaakov, d'où le nom du livre porte le nom Shemot, les noms. Ils sont entrés en Égypte avec ce qu'ils avaient de plus précieux, c'était leur nom. Leur nom chargé d'histoire, les noms qui racontent et qui est raconté dans le Bereshit, leur origine, leur héritage. Des noms qui ne sont pas nés dans Shemot, mais qui sont nés dans le Bereshit. Et l'histoire qui va s'écrire n'est que le prolongement des promesses du passé et qui sera aussi le prolongement de l'avenir. Yosef était venu en Égypte. Yosef était l'homme le plus puissant après Pharaon en Égypte. Pharaon est mort, un autre pharaon est venu et il a commencé à regarder de manière malveillante le peuple d'Israël et l'asservir. Nous connaissons tous l'histoire. Là commence l'histoire de Moshe Rabbeinu. La première étape de la vie de Moshe Rabbeinu, c'est la prédestination. L'homme qui était prédestiné à accomplir la mission de Dieu. Alors qu'il était encore tout enfant, sa vie était en danger et il était le Moshe, le sauvé des eaux. Le sauvé des eaux, Moshe, le choix divin pour accomplir sa mission. On sait, Moshe, avec l'histoire de l'Hébreu qui se bat avec l'Égyptien, il tue l'Égyptien, ensuite les deux Hébreux qui se disputent et un des Hébreux qui leur dit « Vas-tu, qui t'a mis chef sur nous, vas-tu me tuer comme l'Égyptien ?» Moshe qui s'en va, Moshe qui va chez les Madianites, Moshe qui se marie avec Tsepora, et Moshe qui devient berger, et Moshe qui, à un moment donné, qui arrive dans une période de sa vie que j'appelle l'appel de Dieu. L'annonce de la mission. Il était prédestiné, aujourd'hui il est dans la rencontre,
dans cette histoire du buisson ardent, la rencontre avec Dieu. L'annonce de sa mission, l'appel, l'envoi. Dieu dit « Je t'envoie ». À ce moment même, dans le buisson ardent, Moshé est dans la méconnaissance de lui-même. Et c'est l'Éternel qui lui révèle le futur qu'il doit accomplir. La troisième étape, mais Moshé va. L'Éternel dit « Va voir Pharaon et dis-lui, laisse sortir mon peuple et pour qu'il me serve. » Moshé va et va voir Pharaon et dit « Laisse partir mon peuple. » Laisse partir mon peuple. Et au lieu que Pharaon dise « Ben oui, je te laisse partir mon peuple », il dit « Hachem, c'est qui ça? Qui est ton Dieu? Je ne connais pas ce Dieu. Pourquoi est-ce que je devrais obéir à ce Dieu ?» Et au lieu que Pharaon obéisse à l'Éternel, par la voix de Moshé, par la voix de Aaron, eh ben, il va faire le contraire. Il va alourdir les corvées et la vie du peuple d'Israël, au lieu de connaître la délivrance, ils vont connaître un moment encore beaucoup plus dur. Et le peuple va se retourner vers Moshé. Pourquoi est-ce que tu nous as fait ce mal? Et là, Moshé se tourne vers l'Éternel et dit, mon maître, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Et il dit, mais pourquoi tu m'as donc envoyé? Depuis que je suis venu parler à Pharaon, eh bien, il n'a fait que du mal à ce peuple. Et tu n'as pas sauvé ton peuple. Je ne comprends pas. Ta parole était simple. Va voir Pharaon, laisse partir mon peuple. Et le peuple devait partir. Oui, il a dit que le cœur de Pharaon serait endurci. Oui, il a dit que si jamais il n'écoute pas, il y aurait des signes. Et que c'est par une main puissante, une main forte, Beyad Hazak, que le peuple d'Israël sortirait. Mais à ce moment-là, celui qui était envoyé se tourne vers l'Éternel et lui demande « Pourquoi m'as-tu envoyé ? Où es-tu, Éternel ?» Qui n'a pas un jour posé cette question dans les difficultés de la vie, dans les déroulements dans lesquels on n'attendait pas, appelé de Dieu à accomplir une mission, à apporter ce que l'Éternel nous demandait d'apporter, et le résultat n'est pas. Et on ne comprend pas, pourtant, j'ai fait ce que tu m'as demandé, et comment ça se fait que le peuple n'est pas délivré? Et là, l'Éternel va répondre à la question de Moshé. Et la paracha Vaïra commence comme ça. Vaïdaber Elohim el Moshe, Vaïomer elav Ani Adonai. Ani Yod et Vav E. Dieu parle à Moshe. Il dit, je suis Yod et Vav E. Vaïra el Avraham, el Yitzhak vel Yaakov. Je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi il dit je suis apparu? Le nom de Vaïra. Parce que quand Moshé a dit « Pourquoi m'as-tu envoyé? Pourquoi fais-tu du mal à ce peuple ?» C'est comme s'il disait « Je ne te vois plus. Je ne vois pas ton œuvre. Je ne te vois pas agir dans ma situation. Je ne vois pas agir dans tes promesses. » Et l'Éternel dit « Ani yod evav e. Je suis l'Éternel, celui qui est apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov. En tant que El Shaddai, mais par mon nom, Yod et Vav et, je ne me suis pas fait connaître. » Et on sait très bien que Moshé a posé cette question. Si je vais vers le peuple, quel serait ton nom? S'il me demande ton nom, qu'est-ce que je dois répondre? Oui, il dit, je suis celui qui suis. Je serai celui qui serai. Je suis l'immuable, celui qui ne change pas. Je suis l'être. Je serai, difficile à traduire, et dit, je suis Hachem, celui qui est apparu à tes pères, en tant que El Shaddai. Et aussi, j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur séjour dans lequel ils ont séjourné, c'est-à-dire l'Éternel réitère ses promesses, réitère que non, il ne faut pas regarder à ce qui est visible, mais il faut entendre que ce que je dis,
je l'accomplis. Et aussi, j'ai entendu les plaintes. Des fois, on a l'impression que l'Éternel n'entend pas. Ou là, Moshé. J'ai entendu les plaintes des enfants d'Israël que les Égyptiens asservissent. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est quoi mon alliance? Je vous ferai sortir d'Égypte. Je vous donnerai la terre des Canaan sur le lieu, le Makom. Je révélerai mon nom. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis Hachem, Ani Yod Evavé. Je vous ferai sortir, Shemot 6, verset 6. Je vous ferai sortir de sous les fardeaux de l'Égypte. Je vous sauverai de leur servitude. Je vous délivrerai d'un bras étendu avec des grands jugements. Et nous voyons les quatre phases de la sortie d'Égypte. Je vous prendrai pour moi comme mon peuple et je serai pour vous Dieu. Vous saurez que Ani Yod Evavé, vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, que je suis le Yod Evavé qui vous a fait sortir de sous les fardeaux de l'Égypte. Je vous ferai venir au pays au sujet duquel j'ai levé la main et que j'ai juré de donner à vos pères, à Yitzhak, Yaakov. Je vous le donnerai en héritage. Pourquoi? Et il termine, Ani, Yod et Vav et. Je suis. Et ce nom, quelque part, vos pères ne le connaissaient pas. Et pourtant, comme j'ai dit, Moshé a bien posé la question. Mais quel est donc ce nom? Ce nom du « Je suis ». Il dit « Je me suis fait connaître en tant que El Shaddai, le puissant ». Et nous savons que Dieu a créé la terre et l'univers, les cieux et la terre. Et une fois qu'il a créé la terre et l'univers, il est entré dans le Shabbat. Et il a arrêté la création et il est rentré dans son Shabbat. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'Éternel est rentré dans son Shabbat? Vous avez entendu, vous connaissez le El Shaddai, le Dieu de la création. Pourquoi Dieu de la création? Parce qu'il dit que Shaddai, ça veut dire, ça vient de Shad. Shaddai, qui veut dire ça suffit. Il a arrêté les limites de la création, il a arrêté l'expansion de l'eau, de la terre sèche, il a arrêté le temps de la création, qui était une œuvre visible, et il est entré dans son Shabbat. Et on voit deux facettes. C'est l'Éternel qui dit. Il y a El Shaddai et il y a le Yod Evavé. El Shaddai, c'est le Dieu de la création, et qui, une fois la création est finie, est rentré dans le Shabbat, c'est le Dieu caché, qui n'intervient plus dans l'histoire de l'homme, afin que l'homme puisse vivre et puisse être. L'Éternel s'est caché, s'est rentré dans le Shabbat. C'est pour ça que quand nous rentrons dans le Shabbat, nous sommes dans l'imitation de Dieu, pour aller dans sa rencontre, et pour redécouvrir le Dieu invisible, pour qu'il soit visible. Et le Yod Evavé, c'est l'Éternel qui va, comme on dit, selon le Pekuach Nefesh, c'est parce qu'il y a une raison extrêmement importante, une raison de survie et de vie pour Israël, comme là, les plaintes et les prières. C'est l'Éternel qui sort de son Shabbat pour intervenir dans l'histoire de l'homme, en modifiant les règles de la création, chose que la connaissance de El Shaddai ne faisait pas. Il y avait une action, mais il ne modifiait pas les cours de la création. Il n'entrait pas dans les choses surnaturelles. C'est pour ça, pour faire très rapide, qu'il y a la première facette de Dieu pendant Shemot 20 pour le Shabbat. Il dit, tu feras le Shabbat pour te souvenir que je suis le Dieu créateur. Je suis le Dieu créateur.
Et en faisant Shabbat, tu révèles au monde que le monde a été créé. Et tu honores Dieu. Et aussi, dans Dvarim, il dit, tu dois garder le Shabbat. Tu dois garder le Shabbat parce que tu dois te souvenir que l'Éternel est celui qui t'a délivré du pays d'Égypte par une main puissante et une main étendue. Les deux facettes de Dieu. Celui qui a créé et qui est devenu invisible et celui qui est sorti de son Shabbat pour délivrer le peuple d'Israël. Telle est la prière qu'on fait. Éternel, sors de ton Shabbat. Et intervient dans le monde, dans cette humanité. Donc Moshe a demandé le nom. Lima Shemoma. Quel est ton nom? L'Éternel va dire Eye Asheriye, mais aussi Zeshem Leolam. Le Yod Evav E. Et mon nom pour l'éternité. Il est dit, à la fin du chapitre 2, Yom HaShishi Vayechomo. Yom HaShishi, c'est le sixième jour. C'est avant de rentrer dans le Shabbat. Parce qu'il y a le Shabbat des Shabbaton, c'est-à-dire le Olam Haba. Là où l'homme et Dieu sera à nouveau retrouvés et ensemble. Eh bien, Yom HaShishi, c'est le sixième jour, c'est Yom HaShishi. Les deux premières lettres, c'est Yod He. Le Ya, le Ya qui est dans la création, qui veut dire que le nom de l'Éternel est caché. Mais, il dit, vous ne connaissez pas le nom de l'Éternel, puisqu'il est caché. Mais, je vais révéler mon nom. Mon nom est quelque chose d'extrêmement important. Le nom est quelque chose d'extrêmement important. Encore plus le nom de l'Éternel. Ensuite, Vayechulu Shamaim, il a fait les cieux. Vayechulu. Et on regarde que les deux premières lettres, les deux mots, Vayechulu Hashemayim, c'est Vav He. Et quand on regarde Yom Hashishi Vayechulu Hashemayim, et ben on voit qu'il y a le nom de l'Éternel. Mais le nom de l'Éternel qui est scindé en deux. Et le but du Shabbat, c'est dans le Olam Haba, c'est que le nom de l'Éternel sera complètement visible et entier chez les mains. Tout le sens de Yerushalayim. Revenons sur le Shem. Qu'est-ce que le nom en hébreu, le Shem? Le nom Shem a beaucoup de significations et est quelque chose d'extrêmement important, je l'ai déjà dit. Le Shem, donc bien sûr, ça représente le nom. Ça représente la réputation. Le Shem représente l'identité d'une personne. L'identité qui ne se laisse pas influencer, mais qui influence. Il y a dans le nom l'essence de celui qui le porte. Donc, un nom est important. La première fois que le mot Shem apparaît dans la Torah, c'est pour donner le nom du premier fleuve qui sortait de Éden. La première fois que le mot Shem apparaît dans la Torah, c'est pour donner le nom du premier fleuve. Il y a un fleuve qui sort de Éden, et de ce fleuve sort quatre fleuves. Et le premier nom, c'est bien marqué Shem Echad. C'est le nom de Pishon. Donc la première fois, quand il y a le mot Shem, c'est Pishon, et Rashi dit que Pishon serait le Nil. C'est étonnant que c'est exactement dans le même lieu géographique que le mot Hashem. Surtout que le Shem Echad, le nom Echad, le nom de l'unité, on voit bien l'unité du nom, et bien il y a le Nil. Le mot Pishon vient du mot Pashu, qui veut dire se répandre, parce que ces eaux, par la bénédiction de Dieu, va venir arroser le sol. Pishon, qui vient de push, qui veut dire jaillir, sauter, gambader, être éparpillé, être étendu. Pishon veut dire donc augmentation.
le Shem, le nom. J'ai dit, le nom, c'est aussi la réputation. Il est écrit dans Proverbe 22, verset 1. Il est écrit, Nivrar, Shem, Shem Meosher, Rav, Mirsef, Mikesef, ou Mizahav, Chentov, qui veut dire Nivar, préféré, il faut préférer. Shem Meosher, il faut préférer un nom plutôt que la richesse. Rav, plutôt que la richesse abondante. Mikesef, plus que l'argent et que l'heure et que l'or. Grâce bonne, qui veut dire la réputation du nom a plus de valeur que la richesse, l'importance du nom. Et nous avons toujours vu que la réputation et le nom est quelque chose qui revient dans la Torah. Dans l'Ech Lera, en chapitre 12, nous voyons que Dieu va promettre à Abraham qu'il grandirait son nom. Mecha, va gadla shemecha, j'ai du mal à me dire, je grandirai ton nom. La promesse à Abraham de grandir son nom. Dieu va agrandir son nom d'une lettre. L'importance du nom, car à un moment, le nom est important parce qu'à un moment, son nom a changé. Et l'Éternel promet qu'il allait agrandir son nom. Abraham, Avram, veut dire père élevé. Avram peut dire aussi Aviram, mon père est exalté. Av, donc c'est intéressant le nom de Avram. Av qui veut vraiment dire père, donc père d'un individu, un père. Mais aussi le père d'un peuple. Ça veut dire aussi la tête, un fondateur, la fondateur d'une maison, d'un groupe, d'une famille ou d'un clan. Aussi ancêtre, grand-père. Ça veut dire aussi auteur ou patron. Un av, c'est un terme de respect et d'honneur. Av, c'est aussi un principe. Ça veut dire gouvernant, souverain, chef. Père, chef, famille. Et on voit bien que Av était prédestiné, comme Moshe, à être un fondateur, à être un père. Un père, c'est celui qui, quelque part, est un précurseur. Et Ram, qui veut dire élevé, lever, être haut, être élevé, être exalté, on voit que déjà, à la base, son nom était un nom qui était vraiment très prometteur. Et l'Éternel a dit, je grandirai ton nom. Et il y avait bien chez Avram le Avraham. Avraham, c'est le « hé » qui a été rajouté. Le « hé » qui est aussi une lettre du nom du tétragramme. Le nom, mon nom, qui entre dans ton nom, afin de révéler le nom qui est ta véritable identité. La véritable identité d'Avraham. Avraham n'était que prédestiné à devenir Avraham. Mais au temps de l'Ech Lecha, il dit « va, va, pour que tu découvres l'Avraham qui est en toi, que tu découvres le nom ». Le nom que tu as en mon nom. Et il y a le « et » qui est rentré. Il est passé de « père élevé » à « Avraham » qui veut dire « père d'une multitude ». Pourquoi « père d'une multitude » ? Parce qu'il dit « av » Ah, attendez. « Av Hamon » « Av Hamon » qui veut dire « père d'une multitude de nations »« père d'une multitude des peuples ». Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il sorte d'un père élevé pour devenir une paire de multitudes des peuples, parce que ça, son être n'était d'être un fondateur, fondateur de la nation hébreu, fondateur de toutes les nations qui deviendront monothéistes, fondateur par son alliance avec Dieu, car c'est de lui et c'est à lui que l'Éternel a dit. Je te pars et je te donnerai une terre, la terre de Canaan.
Avant, il était Aram. C'est écrit Avaram. Av et plus loin Aram. Il était de la terre d'Aram au départ. Mais dans son cheminement, où le nom s'est agrandi, il est parti de la terre d'Aram, d'une certaine racine, certains liens avec le sol, pour entrer, d'où le mot Ivrim, pour passer de l'autre côté, sur la terre, où il est devenu père des multitudes de nations. Père des multitudes de nations, c'est aussi, du coup, le père de toute l'humanité. Toute cette humanité qui ont la connaissance du nom divin. Il est dit que le E, c'est le chiffre 5, la lettre qui a été rajoutée entre Av, Haram. Pourquoi ? Parce que dans le He, qui est le chiffre 5, de ses deux yeux, lui ont été donnés pour voir. Ça veut dire que les yeux de Avraham n'étaient pas les mêmes yeux que Avraham. De deux oreilles, donc 2 et 2, 4. Il a eu deux yeux et deux oreilles. Deux yeux pour voir, deux oreilles pour entendre. Et, bien sûr, le dernier, c'est l'extrémité du pénis. C'est la circoncision à la Brit Mila. Parce que ce n'est pas Avram qui est entré dans la promesse. Puisqu'il dit que Avram était le père des incirconcis. Non. Avram est le père des incirconcis. Mais Avraham est le père des circoncis. Parce qu'une fois qu'il a été agrandi, il a été circoncis et il a pu enfanter Israël. Et il a bien sûr enfanté Israël en étant circoncis. Donc le nom de l'être, le nom révèle l'être qui est en accord avec la définition de l'être. La semence du nom divin en nous. Il est écrit dans Ecclésiaste 7, verset. Bon, Tov, Shem, bon un nom, Mishemen plus que l'huile. Tov, Veyom, bon est le jour, Hamevet, bon est le jour de la mort, Miyom, Ivaldo. Donc, bon est le jour de la mort, plus que le jour de la naissance. Tov, Shem, Mishemen, qui veut dire un renom. La réputation du nom, un nom qui a une réputation, un bon nom, un grand nom, est préférable à l'huile précieuse. Et le jour... Mais qu'est-ce qu'un bon nom ? Un nom, un bon nom, c'est un nom éprouvé. Qu'est-ce que la réputation d'un nom ? Puisque le nom est plus important que l'huile, le Mishemen. Le bon nom, le véritable nom, est plus important que l'huile. Et la mort est plus important que la naissance. Mystère, ce pasouk. La réputation étant bien le résultat de nos actions. Et l'huile est le symbole de la consécration. Machiar, la consécration, mais aussi le roi d'Israël était consacré, et le Kohen était aussi consacré. Une fois qu'il avait l'huile, la consécration d'huile, il rentrait dans sa fonction de roi. Une fois que le prêtre avait la fonction d'huile, il rentrait dans sa fonction de prêtre. Donc, l'huile représente loin de l'éternel. Un nom qui est bon est plus que l'huile qui te donne une fonction. Le jour de la mort, plus que la naissance, car à la naissance, on n'a encore rien accompli. À sa mort, le nom et la réputation, un nom qui est estimé, parce que sa base, elle est basée sur l'excellence de ses actes. Un bon renom est supérieur à l'huile, et pourtant l'huile dégage une odeur, mais son odeur se répand et cette odeur est limitée. Par contre, la réputation d'un nom se répand jusqu'au bout de la terre, d'où l'importance que le nom est plus grand que l'huile. L'huile donne le nom de la fonction. C'est-à-dire que le travail, la fonction que nous devons faire, nous définit. Quelqu'un qui est plombier, il fait de la plomberie, il est plombier, le nom
entre dans le, sa fonction. La fonction entre dans le nom. Bien sûr, une fois que la personne a l'huile, elle est consacrée, elle a une fonction. Tout le monde peut avoir une fonction. Tout le monde peut avoir une consécration. Tout le monde peut avoir un appel. Mais ce n'est pas l'appel qui est préférable. Non. C'est le nom, la réputation qui est l'action. La fonction qui définit l'action est la position aussi qui est parmi le peuple. Mais à la mort, pourquoi est-ce que la mort est préférable à la naissance? La naissance, vous recevez l'onction, vous recevez la consécration, mais vous n'avez rien accompli, vous n'avez rien fait. C'est juste, ah, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Mais ce qui est préférable, c'est l'action dans la fonction. C'est l'accomplissement de l'action qui reste, qui demeure, qu'on a été telle chose, mais si on n'a rien accompli, ça sera très vite oublié. À la naissance, on ne sait pas ce que la personne va devenir. Aujourd'hui, quand un bébé naît, on se réjouit, et quand un homme meurt, on pleure. Dans la pensée hébreu, ils disent, mais en fait, on devrait pleurer quand l'enfant y naît, parce que on ne sait pas ce qu'il va devenir. Va-t-il devenir un homme juste, un homme bon, ou va-t-il devenir un homme mauvais? Va-t-il souffrir? Mais un homme, quand il meurt, on se réjouit. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est ce qu'il a été. Ses actions parlent et révèlent ce qu'il est, révèlent sa fonction. Alors on se réjouit, et c'est pour ça que dans le monde juif, les tzadikim ou les hommes, ils allument une lumière et ils fêtent la rigola, ils fêtent la mort. C'est pas la mort en fait qu'ils fêtent, c'est simplement, c'est nous gardons à la lumière le souvenir de ses actions, parce que c'est ce qui nous fait dire que c'était un sadique, c'était un juste, un vrai homme de Dieu. C'est ce qu'il a accompli, et non pas le titre qu'il s'est donné. Le titre est le titre, mais c'est comment la personne remplit le titre. Dans le monde juif, bon, j'ai déjà dit, l'huile est la connaissance. L'huile est la connaissance, c'est les dons que nous avons. La connaissance, les dons, le nom estimé, celui qui est estimé bon, n'est pas la connaissance uniquement, mais la connaissance éprouvée dans l'être. Mieux vaut entendre la réprimande des sages pour un homme que d'entendre les chansons des sots. Abraham a eu son nom dans la vieillesse de sa vie. Il était Abraham, mais c'est dans la vieillesse qu'il a eu son nom. Exactement comme Yaakov. Yaakov a eu le nom d'Israël dans la victoire des luttes. Israël, lutter avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes, tu es Israël. Parce que son nom, c'est l'être. Et son nom n'est que le reflet des luttes qu'il a vécues. Son nom correspond à sa vie. Et ce n'est pas d'avoir un nom qui ne nous correspond pas. D'où l'attachement à la réputation du nom de l'Éternel. L'attachement à la réputation du nom de l'Éternel. Parce qu'il est écrit dans Vaïkra, si tu n'accomplis pas les commandements, les mitzvot, tu blasphémeras. Chilul Hashem, tu blasphémeras le nom de l'Éternel. Donc c'est-à-dire que par notre comportement, nous pouvons salir le nom de l'Éternel. Et par notre comportement, nous pouvons, comme on dit, élever, Kiddush Hashem, sanctifier le nom de l'Éternel. D'où pour l'homme, le nom est donné, on dirait que pour l'homme, le nom est donné quand il est mûr, parce que le nom révèle son histoire. Le nom est donné par Dieu et les hommes, et ce nom est confirmé. Ah oui, le nom est donné par Dieu et les hommes. C'est les hommes aussi qui donnent les noms aux gens. Mais ce nom qui a été donné par Dieu et les hommes, il est aussi confirmé par Dieu et les hommes. Oui, il est telle personne. Oui, il est véritablement. Moshé est sauvé des eaux. Oui, il est Moshé, il est sauvé. Il est sauvé des eaux. Non seulement il est sauvé des eaux, mais Israël a été sauvé des eaux. Par exemple, le nom d'un craignant Dieu, Achidim, c'est un craignant Dieu. Un nom qui a été donné par les hommes, c'est un craignant Dieu, pour le distinguer.
mais il est craignant Dieu, s'il représente la crainte de Dieu dans l'homme. S'il blasphème le nom de Dieu, il peut s'appeler Hachedim, il peut se donner tous les noms qu'il veut, mais il n'est pas la représentation de ce qu'il est. C'est une usurpature. Usurpation. C'est un hypocrite. Au contraire, l'impie, lui, n'a pas de nom. Dans Job 38, il est écrit « Béné Naval, fils d'impie, Gam Béné Veli Shem, fils d'impie, aussi fils sans nom. Nikeu Min Haaretz, fils d'impie, aussi fils sans nom, ils sont frappés hors du pays, ils sont repoussés hors du pays. Voici le fils de l'impie. Il est un fils sans nom. Et en plus, il est repoussé du pays. L'impiété fait perdre le nom. Il est sans nom. Le fils de l'impie, c'est un fils qui n'a plus de nom. Pourquoi ? Parce que l'impiété efface le nom. Quel nom ? Il efface le nom de l'Éternel. Il expulse le lieu où le nom de l'Éternel doit éclore. Naval, qui veut dire l'impie, le sot, l'imbécilité, l'insensé, le bouffon, insensé, criminel, infâme, vil, fou. Où est-ce que le manque, ou soit c'est l'impiété qui fait perdre le nom, ou est-ce le manque de nom, d'être un sans nom, qui mène à la folie, à l'impiété, et fini à l'expulsion de la terre, il est repoussé de la terre, l'expulsion de la société, l'expulsion d'un groupe. Quelqu'un qui est sans racine. Et quelqu'un qui est sans racine, il meurt. Le nom, c'est l'identité qui remplit l'être. Mais l'absence du nom crée un vide. Un manque identitaire et qui rend insensible. Donc celui qui... Qu'est-ce qui provoque la perte du nom ? L'impiété ? Ou c'est celui qui a perdu le nom, ou qui est sans nom, qui est, quelque part, se dirige d'une manière, on va dire, on ne peut rien faire, il se dirigera vers l'impiété. Il est écrit dans Job 30:17. Alors, Zechechou aval. Son souvenir a péri. Son souvenir a péri. Mini aret. Son souvenir a péri loin de la terre. Velo shemlo al pene chutz. Son souvenir a péri loin de la terre et pas plus. Et pas de nom pour lui sur la face. Il n'y a pas de nom dans les rues, dans sa place. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? On sait très bien que les rues, aujourd'hui, elles sont remplies des noms de ceux qui ont marqué l'histoire des hommes. Et là, il dit, son souvenir a péri. Son souvenir a péri loin de la terre, loin du monde d'en bas. Et il n'y a pas de nom pour lui. Et sur la place publique, sur les places et dans les rues ou à l'extérieur, il n'y a plus de nom. Il n'a pas de nom. Celui qui cherche à se bâtir un nom aussi pour lui-même. Un nom qu'il se crée pour effacer le véritable nom. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Le nom, vous avez bien compris, est aussi l'identité de l'être. Et des personnes peuvent se créer une identité, pour se créer un nom, se créer une réputation. Il est écrit dans Bereshit 4, verset 11. Non, 11 verset, chapitre 11, verset 4. Donc, ils dirent, allons, construisons pour nous une ville, une tour avec son sommet dans les cieux, et faisons pour nous un nom, faisons-nous un nom, de peur que nous nous dispersions sur toute la terre. L'action de bâtir, de construire et de se faire un nom, le nom que l'homme se crée qui exclut le nom de Dieu. Allons-y, construisons-nous, bâtissons-nous un nom,
bâtissons une réputation. Pourtant, il est dit, le nom, la réputation vaut mieux que la richesse. Mais il y en a par la richesse, et ils recherchent la richesse pour se donner un nom. Mais celui qui est riche, c'est pas sa richesse que la mémoire des hommes retiendra, mais ce sera bien ses actions. L'action de bâtir, de construire, de se faire un nom, le nom que l'homme se crée exclut le nom de Dieu en nous. Le nom de l'homme qui efface celui du nom divin, qui le remplace à la fin et qui combat le nom de l'homme, le nom de Dieu qui est dans l'homme. Le nom créé par l'homme dans le but d'unir avec les autres, de s'unir, va susciter, parce qu'elle dit « allons-y, bâtissons, et afin que nous ne nous dispersons pas », va en réalité exactement faire le contraire. Ça va susciter l'exclusion et la séparation. L'unité ne peut être acquise que dans le nom « Echad ». Deux noms s'affrontent, celui qui rassemble contre celui qui sépare. Celui qui inscrit dans l'histoire contre celui qui s'efface. On l'a bien vu. Le nom de l'impie est celui qui s'efface, et celui qui est sans nom, Bélichem. Celui qui perd son nom est un homme errant, en exil, éloigné de lui-même, qui cherche à se construire une identité, mais qui n'est pas satisfait, qui est dans l'insatisfaction, parce qu'il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il cherche. Une authenticité, une gloire personnelle. Le nom que tu cherches, est celui que le Créateur t'a donné. C'est quand ce nom prend forme en toi que ta vie a un sens. Celui du Lerlera, comme Avraham, Avraham jusqu'à Avraham. Mais si tu rejettes les principes divins, si tu rejettes les principes d'Hachem, ce que tu cherches t'échappe. Car ce nom, c'est ton nom. Ce nom, c'est le nom de la vie. C'est un nom de vie. C'est pas le nom selon ton cœur, selon tes envies, selon tes désirs. Un nom superficiel. Quand ce nom sort et surgit, quand ce nom est révélé, c'est ce nom qui te définit. Quand Dieu te donne ce nom, alors tu te découvres toi-même. C'est ce nom qui te dit « Je sais qui tu es ». Quand tu entends ce nom, le nom qui sort de la bouche d'Hachem, tu découvres qui tu es, comme Moshe. Quand il a entendu l'appel dans le buisson ardent, Dieu lui a révélé qui était Moshe. L'Éternel dit « Je sais qui tu es, qui tu étais dans le passé et qui tu seras dans le futur. » Voilà ce que tu dois construire. La véritable identité de l'homme né dans le Très-Haut, dans le ciel. Ce nom ne peut être révélé que dans la Torah. Seule la lumière du nom divin peut éclairer ton être, ton identité, à la recherche du nom perdu. Le nom que tu as perdu. Le nom retrouvé te fait revenir sur la terre, parce qu'on a bien vu que l'impie se fait expulser de la terre et devient un être errant. Mais quand tu retrouves le nom, quand ton nom et le nom d'en haut s'unissent à nouveau, tu retrouves le lieu de la promesse. Le nom qui bâtit le royaume de Dieu en toi et autour de toi. Comme il est écrit dans le psaume 127:1, « Si Dieu ne bâtit pas la maison, c'est en vain que peinent ceux qui bâtissent. Si Dieu ne garde pas la ville, c'est en vain que veille celui qui garde. » On cherche une identité, on cherche à être, on cherche à bâtir toujours quelque chose de nouveau, un nouveau nom. Ce n'est pas la dénomination qui révélera le nom de Dieu, mais bien l'action dans l'être qui élève le nom d'Hachem. Et quand ces deux noms s'associent, il émerge le Malchut Hashamayim. Et plus loin dans le Tehillim, il dit « Voici l'héritage. » L'héritage de l'Éternel, c'est des fils. Et la récompense, c'est le fruit du ventre.
qui veut dire la maison qui est bâtie, c'est quoi? La maison d'Hachem, c'est la maison d'études, c'est la yeshiva, et les fils, ce sont les talmidim, qui construisent une maison où est placé le nom, comme il est écrit. Dans, quand Shlomo Améler a inauguré le temple, l'Éternel a dit là où est mon nom. Dans Ézéchiel 34, 29, 30, il dit « Et je ferai lever pour eux une plantation de noms, et ils ne seront pas encore exportés, expulsés ou emportés par une famine dans le pays, et ils ne porteront pas encore la confusion des nations. » La confusion des nations, c'est une perte d'identité. C'est une recherche constante d'une nouvelle identité. Mais qui suis-je en réalité? Que suis-je? Et pourquoi suis-je né? Parce que les identités du monde extérieur sont des identités, des noms qui effacent le nom de Dieu dans le cœur de l'homme. Et l'homme cherche en réalité toutes ses identités, la véritable identité, le véritable nom, qui est le nom de l'Éternel, le nom de vie. Le nom qui s'inscrit dans le cœur de l'homme et qui lui amène l'existence de vie. Et il est écrit plus tard, et je le mets, un peu plus loin dans Ézéchiel 34, verset 30, et ils connaîtront, qu'est-ce qu'ils connaîtront? Une fois que je ferai lever une plantation, une plante, mata l'échem, une plantation de nom, une plantation de renom. Ils ne seront pas emportés par la famine, qui est le manque de connaissance, le manque de révélation de Dieu. Et ils ne seront pas dans le pays, dans la confusion des nations. Ils ne seront pas influencés par les nations, mais ils influenceront les nations par le véritable nom, le véritable Shem, la véritable identité du peuple de Dieu. Et ils connaîtront à ce moment-là, comme il est dit, au début dans la paracha, ce nom Yod Heh Vav Heh que vos pères ne connaissaient pas. À ce moment-là, quand le nom sera révélé et inscrit dans le cœur, ils connaîtront, qui veut dire Veadehu, qui ani Ya, Yod Heh Vav Heh. Et ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, avec eux. Et eux, ils seront mon peuple, la maison d'Israël. Ne'um Adonai Yod Heh Vav Heh. Et ils connaîtront que je suis Ani, l'Éternel. Je suis leur Dieu et avec eux, ils sont mon peuple, la maison d'Israël, et moi je serai leur Dieu. Parole du Seigneur. Ésaïe 60, verset 21. Ve'amer. Kulam sadikim leolam, et ton peuple, tous seront justes pour toujours. Yerchu aretz netzer, ils posséderont le pays. Rejetons ma taille de mes plantations, ma c'est œuvre de ma main. Leit paer, pour resplendir. Et ton peuple seront tous des justes. Ils posséderont le pays, netzer, le rejeton de mes plantations, œuvre de ma main pour resplendir. 61.3. La choum, la vélée, pour placer aux endeuillés, sillonne la tête, pour donner la hem, be'er tachat, et faire shemen. Pour donner à eux un turban au lieu de la cendre, une huile d'exultation au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un souffle de faiblesse, et il sera appelé pour eux térébin de justice, Mata Adonai, plantation de l'Éternel pour resplendir. La plantation du nom de Dieu. Et voilà ce qui est écrit dans l'Apocalypse 3, 5. N'oublions pas que quand les disciples du Messie Yeshua ont demandé « Mais
Enseigne-nous à prier. Quelle était la première parole? Notre Père qui est dans les cieux, avez-nous chez Bachamaïm, que ton nom soit sanctifié. Non pas que ton nom soit blasphémé, mais que ton nom soit retrouvé. Que ton nom soit véritablement planté et implanté dans nos cœurs, dans nos âmes. Une plantation de renom, une plantation qui se manifeste. Comme il est écrit dans l'Apocalypse 3:5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et il est dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Quel est donc ce nom qui sera confessé? Un nom nouveau, un nom comme Abraham, le nom qui était prédestiné, ce nom que tu dois trouver et retrouver, le nom de Dieu dans ta vie, la présence de l'Éternel, ce nom que tu cherches, cette identité que tu cherches, elle est à l'intérieur de toi. C'est l'Éternel qui peut te le révéler en étudiant la Torah, en respectant ses mitzvot. Lui-même, le Messie, Yeshua HaMashiach, a dit qu'il était le Fils pour révéler le Père. Et tous ceux qui feront la Emouna dans le nom du Fils découvriront le nom du Père. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam Asher natan lanu et Torato Torat emet Vechaye olam nata betochenu Baruch atah Adonai notena Torah. Béni es-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné sa Torah, loi de vérité, et ainsi une vie éternelle. Il a implanté, Nata, Betochenu en nous, béni es-tu, Éternel, qui donne la Torah.